Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez! On continue l'aventure de Resident Evil 8 Village live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah! Allez! Dur à dire. Ça reste pas le même jeu. Je vais te rappeler. Manque quelque chose. Quand tu trouves ces objets-là, les complètes, ils vaut plus.
Arrivé sur les lieux, aucun signe de EW ou RW. Infiltration du village, affrontement avec plusieurs armes biologiques, découverte de preuves de la présence de EW. RW est introuvable. Base établie dans l'église, plan d'opération. Analyse sortir moi sur infiltration de l'usine. Il semble avoir d'autres choses, mais j'ai rien vu. Toi, y as-tu déjà joué? Hey!
Venu ici au début. Ok, ça part d'ici. Quelque chose là par exemple. Ah, ça se fait que. Oh, c'est bien. Et voilà, le voilà. Hmm.
Ok. En raison de la longue absence de luthier, c'est moi qui garde la clé de sa maison. N'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin. José, j'ordonne de la bienvenue. Et où la crise de maison que la cheminée rouge? Et c'est une cheminée rouge. Cheminée rouge. T'es comme je peux rentrer là. Il y a l'échelle. Elle est là, l'échelle. Parce que t'es sans la marque. Les deux yeux aveugles, la voyaient pas. Trois pièces sont nécessaires pour rendre la clé. Elle est comme complète. Ah! Je dois retourner voir le duc. Ok, on va voir le duc. Alors, avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça.
Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve ? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble ? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moro, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord assembler les 4 bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Vous voulez acheter quelque chose ? Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Quelques bricoles. Je vois. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Nous nous reverrons bientôt. Tantôt, il y a des poissons, j'aurais pu les tuer, je savais pas. Ah mais la porte est barrée, on peut pas l'ouvrir celle-là, ok.
trouver les bocaux, mais c'est indiqué, mais je peux pas aller. Là, je peux pas aller.
manque une aile pour ça. Descendons, on va voir. Passez pour. Thank you.
Comment je fais pour ouvrir ça, tabarnak?
l'atelier, j'y ai pas été. Les poils en premier. Explose, salut. C'est bien, on peut pas aller dedans. Non, chienasse.
tout compris. Ah! Bon! C'est juste ça, ça va, ouais. Donc c'était tout! Pour Resident Evil! Live! Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!